Les vermines! J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. C'est Jules. C'est Sullivan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite soirée pyjama. Ouais, regardez le thème. Donc, toi, t'es pas en pyjama. Petite colère. Ah, bah écoute, vermine, je vais partir faire des petites courses. Moi, on a une invitée surprise ce soir. Mais pas normal, non? Ah, on a une invitée surprise ce soir qui va arriver d'une minute à l'autre. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Ah! On vous laisse avec la suite. Bye bitch. Bye. Sympathique. Je vous laisse avec la suite. J'ai eu. Bienvenue, mademoiselle. Oh non, mais le casque. Il y a que ta petite veste pas. On fait un petit tour en scoot. J'aimerais bien faire un tour. Tu l'as garé où? Ça te regarde? T'as un casque? Tu veux monter? Ah, ça aurait été marrant. Je suis pas à côté quand même. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pyjama party. Ouais, bah tu vas me donner un pyjama tout de suite. Ah oui, parce que t'es pas dans le thème là. En tenue de jour, je suis pas comme tu. Tu sors d'où? Je me parle même pas d'où je sors. Tu sors d'où? Je me parle pas d'où je sors. Mais dis donc, nos retrouvailles sont virulents. Mais quoi, on fait une soirée pyjama là? Ouais, c'est une soirée pige. Bah vas-y, pyjama. Oh, la lumière est dégueulasse, c'est cata là. Jules, te mêle pas des réglages parce que la dernière fois que tu m'as fait régler un truc, c'est merci de la merde. Moi aussi, voiture, à chaque fois, de la merde. Bon, oui, c'est vrai que déjà pour commencer, il faut changer de kélo. Moi là, je suis tout en kélo. Et vous êtes rapide, vous êtes intense, non? Vous voulez pas d'abord, on se commande à manger, comme ça on est bien gras. Non, bien non, bien pige. Vous voulez manger quoi? Bah. Ça commence par. Ça finit par McDo. Ah ouais, un McDo? Je suis pas très McDo, mais moi je veux bien faire avec vous. Jules! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il est où le pyjama? Il est dans la pièce secrète? J'ai un petit bas pour toi. Oulala, moyo! C'est quoi ça? Un comme un gant. Bah ouais? Comme une cape. Oh putain. Oh là oh là. Ça commence. Ensuite, dans le thème du. Un petit hoodie. Je meurs. Je vais faire ça. J'ai une première activité. Quoi? Je te donne un haut et vous me suivez. Quoi? C'est parti. Quoi l'activité? On va descendre les poubelles. Ah non. Vas-y, non. Si, voilà. Ah mais... non. Tu mets les crocs? Ouais, je vais mettre les crocs. Attends, mais c'est tellement Myriana? Oui. Non, je te crois pas. Si, je te jure. C'est très grave. Il faut rendre éternel à cette dame. Tu les as connus? Bien sûr que je les ai connus. Si, Maya, on te donne l'opportunité de tenir la poubelle. Slay. Oh, jurez c'est ma Balenciaga alors ça. New season. Tu verras. Alors, Maya n'est pas au courant, mais en bas il y a Dua Lipa qui l'attend pour un petit showcase. J'espère que t'as hâte, ma belle. Mec, je suis jamais allée à Disney. On est déjà allés ensemble. Oh la merde, tu veux que tu vas là? Mais on se sent pas en sécurité ici. Mais là que j'aime pas. Ça filme pas depuis tout à l'heure? Quoi? Attends. Si, ça filme. Non, ça filme pas. Je... Bah c'est chaud. Oh. Mais c'est votre parking là. Il y a beaucoup de place. Fermez vos sales gueules. Voyez, oh my god. C'est ça que je voulais dire, c'est parce qu'ils sont tellement dégueux qu'ils ont voulu directement se mettre en pige. Regardez, ils changent... Ah. Bon, merci Maya, tu peux rentrer chez toi. Bonne soirée. Bisous ma belle. Vite, elle connaît pas la route. Tendinite. Ah, c'est bon, ça pue pas. Vous avez vu le bug Insta? J'ai perdu 30 000 abonnés. J'avais peur. J'allais retourner à l'école. Qu'est-ce qu'on prend à manger, guys? McDo. Ça fait plaisir à la gosse. Les poubelles, elle dit ça. Alors, qu'est-ce que je vais me faire? T'as déjà pris 4 menus. Apparemment, il a fait le montage de la 24 heures monotée. Prêt à voir? Petite avant-première, Maya. Attention, c'est confidentiel. Hein. Vermine. Je savais pas que tu filmais. Les vermines. Oh mon dieu, on est moche. Tu vois, vous voyez mon cul? Ouais, pardon. Il était quelle heure là? Il était. 9h30. Il était 14h. Pourquoi vous êtes gonflé du matin à 14h? Mais parce qu'on était sortis la veille, je crois qu'on s'est couché à 7h du matin. Mais t'avais pas de guacha? C'est quoi guacha? Tu connais c'est pas moi, genre c'est le truc que tu mets dans ta ch**, après tu mets sur ton visage, ça dégonfle. Non, arrête de dire des gros mots. Ouais. Je suis choqué. Oh mon dieu. Regardez la meuf là. Termine. M'acheter une casquette. Non, surtout on a rendez-vous avec notre agent. Tu es elle est tellement slay. Ma vie. Elle est trop iconique. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a voulu se cacher et là on la remontre une deuxième fois, bichette. Saviez-vous, Maya dans sa vidéo anniversaire a fait un cours de chant avec ma
prof de chant. Ah oui, tu veux que je te montre les vidéos? Ouais, c'est vrai. Ah oui, je vais voir. Non, mais à la fin du cours, elle m'a dit trop bien, trop sympa, mais je pense qu'on se reverra pas. Oh. Quoi? T'es le four one and je l'adore. C'est bien, Maya. Sympa, non? C'est super ce que tu proposes. Ouais. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de travail, mais tu chantes comme ça. I'm gonna go away. Tu le chantes dans ta gorge. Normalement, tu dois t'apprendre à chanter avec l'air. Mais j'arrive pas. Je suis asthmatique, je crois. Mais non, c'est juste ça prend du temps à placer. Parce que si tu travailles, je pense que si je travaille et que vraiment j'arrive à avoir toutes les notes justes, ça va juste être. Tu veux violet ou rose? T'as acheté ça où? Ouais, vous avez vu? Ils se font un petit masque là. Ils m'en ont pas acheté, moi. Mais t'en veux pas? Tu m'as dit que t'étais maquillée, c'est pour ça que tu voulais pas. Ah, mais c'est. Alors, des nouvelles? Slay! Sympa! Alors? Ah, t'as la liste de Ré? Ouais, très sympa. Mais une petite story, un petit. Qui es-tu? Mais je montre pas. Qui es-tu? Bah, YouTube. Non, on fait notre jeu habituel. C'est notre petit baisse un doigt. Vous l'aimez tant, ce petit baisse un doigt. Ah, ils adorent, ils sont friands. Baisse un doigt si t'as pas annoncé à Maya que tu ne peux pas venir samedi à son anniversaire. Moi, j'ai annoncé. Baisse un doigt si en fait t'avais pas invité Jules, mais c'est que parce que Sullivan ne peut pas venir que j'ai mis Jules. Ouais, je pars du coup, je pourrais pas être là. Ouais, je m'en fous, t'es pas le principal. Non, arrête, t'es méchant. Ta gueule, vraiment? Mais oui. Non, il m'a dit que c'était pas vrai. Ah si, je pars demain? Non. J'ai mes visières et l'agenda. Non, mais tu pars deux jours. Non, Londres, je suis désolé. Moi, je t'ai dit. Non. Mais non, mais je suis deg, moi aussi. Mais tu t'imagines bien que. Non, mais tu rigoles, en vrai. Non, mais c'est. T'es sérieux? Attends, mais c'est. Mais vraiment, c'est un peu. Et tu m'en veux? Pourquoi tu m'as pas dit? Arrête! T'es saoulé! Baisse un doigt si tu pensais que Jules faisait une blague alors c'était pas une blague. Baisse un doigt si tu aimerais ne pas être dans cette pièce. Baisse un doigt si ça fait trois fois que tu demandes il est où le McDo et qu'on m'a toujours pas répondu. C'est vrai, il est où? Si tu sais. Non! Non, t'as pas commenté! Non! Non, mais non! Mais t'es vraiment une merde! Mais genre, t'es une merde! J'ai tellement faim! Putain! Je vais me prendre des langues de chat, je peux pas. Non, c'est impossible, ça fait une heure en plus, je suis en mode. Je crois. Donne-moi ma chance! Mais Berlin! Allez, Maya! Ne partez pas sans moi! J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Le McDo a été annulé. Non, il arrive. Non, mais il arrive quand? Genre dans 4 minutes. Ça fait 10 minutes qu'il dit qu'il arrive le McDo. Hein. Ok, Jules, pour combien tu accueilles le Uber Eats avec les talons Crocs? Donc voilà mon petit get de look. Petit look. Petit look récupérage de Uber Eats. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes au étage? Vous venez d'arriver, d'accord. D'accord, d'accord. Vous avez le cadre? Merci, chef. Non, mais il va pas arriver comme ça, mais là, tu sais, on. Y'a pas de soucis. On a plus de prix. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. J'aime trop les trucs comme ça. Alors? Enfin, on mange! Bravo, Vermine, pour le défi. Ouais, petit défi réussi. Il était tellement gêné, oh my god. Il avait ce potentiel inquiries. Regardez, elle est affamée. Elle se jette. Oh ah, j'ai commencé une sauce. J'ai commandé une sauce. Lili. Ah, la Monopoly. Alors, qu'est-ce qu'on se met à la téloche? Vas-y, je tourne. En ce moment, on va être transformé avec des trucs que j'ai acheté. C'est trop mignon, trop utile aussi. Et qui font que moi, j'ai vu ça au calme. Je suis choquée. Regarde dans la vidéo, je t'ai vu le produit. Transformé avec des trucs que j'ai acheté ici, trop mignon. C'est à moi, c'est à moi. On est mort de rire, on vient de trouver une vidéo de Maya avec Clara Chanel à l'époque qui est en train de faire le ventilo le arrière. Vent. Juste vraiment l'assistante. Regardez, Maya, bah qui fait le vent. Non, mais je... Ah bah enfin pyjama toi. J'ai adopté un petit look Papa Bear. Ok, c'est pas la fashion week. Là j'ai 14 ans. J'adorais ton brushing. J'ai vraiment lissé mes cheveux avec le fer à repasser, genre. Intense regard. Oh, oh le slay. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yes. On est en train de regarder les vidéos d'année, on se rend compte, genre, elle était star avant d'être star, genre la vie. Elle a inventé le mot slay. Regardez, elle est iconique. Le look est affreux, mais elle le rend slay. Bon, on range ça. Oulala. Et après, on a une petite surprise. Maya vient dans la cuisine. Ah!
tu m'as rentré à la gueule. C'est pour ça que vivre avec Sullivan, c'est quoi? Avoir un sèche-cheveux dans la cuisine alors que c'est un avoir là. Avoir du linge sale dans la cuisine. Si mais c'est propre. Tu lui bandes les yeux avec ton dans propre. La salle. C'est un truc que j'ai acheté genre là. Moi je suis pas. On a une petite surprise, rien de dingue à te faire. Attends, comment on attache ça? Tu triches pas. Tu triches pas, tu triches vraiment pas. C'est quoi le thème de la surprise genre? Je vous montre le. La chose en question. Ouais. Donc en fait, Jules et moi, on se sentait quand même assez mal de pas pouvoir être là pour ton anniversaire parce qu'on sera à Londres. Voilà. Comme vous avez vu. Voilà. Comme quoi, ça te pardonne pas. Hein. Ça ne pardonne pas l'action de Jules effectivement, mais je pense que ça va te faire un petit baume au cœur. Ah, juste contre le surprise. C'est quand mon anniversaire? C'est le 8. D'accord. C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. Vas-y ouvre grognasse. Voici ton cadeau. C'est pas mieux dedans. Non, on voulait quelque chose qui aille avec ton tout nouveau scooter. Tout nouveau Vespa qui est rouge. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un bourbier. Je veux changer, j'ai pris ticket cadeau. C'est juste que c'était le seul truc rouge. Elle est gênée, allez, Grognasse. T'es sûr? Quoi? Montre à l'audimat. Quoi? Avec son petit bip bip. Un petit sac pour la Maya, pour le quoi? Eh oui, oui, oui. Montre-moi ça. Oui, on part peut-être à London, mais. Mais tu sais que je pensais que c'était un prank parce que je me disais c'est bizarre, mais lui ils ont pas emballé ça comme ça. Non, la vraie question c'est on pensait se rattraper. Mais j'adore. Si t'aimes pas Maya, vraiment t'aimes. Non, je te jure, j'adore, mais vous êtes sérieux? Okay. Et Vermine offre un cadeau à Maya. Vous êtes sûr? C'est pas à toi? Non, c'est non, à toi. On est allé chercher ta. Quoi? Merci. Elle est partie l'acheter aujourd'hui, je hurle, elle est toute gênée. Merci. Ils vont me le retirer en partant. Tu veux dire. Vous êtes sérieux là? Ok, vous êtes sérieux? Vraiment? Bah bien sûr. Quoi, les vermines ne vont pas être sympas de temps en temps, Jules? Scandale? Voilà quoi. Ouais, comme ça, Jules se fait pardonner son manque de comportement pour Londres. T'es trop bien avec mes ballerines? Oui. Ballerines rouges? Oui, mais. Tu m'en veux plus? Non, j'en veux plus, c'est bon. T'es pardonné! T'es pardonné! Comme quoi, le pardon, ça s'achète. Mon amitié s'achète tellement. Merci. Une abonnée en or, une amie en or. J'aime tellement votre argent, votre personnalité. Bon, on coupe. Du coup, merci Maya. Merci. Moi j'ai un jeu. C'est quoi le jeu? It's suspicious. J'aimerais bien jouer avec vous. Oh. Je vais vous défoncer au petit bac. Je suis trop fort au petit bac. J'arrive, j'ai déjà joué au petit bac avec lui, je l'ai déjà niqué. Alors. Putain, t'as acheté des fournitures? Pour commencer, j'ai acheté des talons Crocs. Lettre, quoi? Prénom, métier. Bah, pas droit à la triche, du coup, si vous voulez. Je vais faire comme à l'école. Ouais. A et A. Ok, vas-y, je fais l'alphabet. A. Bah non. Quoi? 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 Top. 2, 3, 4, c'est 16, Vermine, tout. 9, 10. C'est 16, Sully, tout. On s'en fout, Sully. On est un peu perturbé. Sully est très compétiteur. Non. Jules est très compétiteur. Prénom? Harry. Quoi? Harry. Henri. Métier? Hormonologue. Ok, donc ça c'est un zéro. Non, ça et en plus, ça peut battre. Y'a pas, oh, ça n'existe pas un hormonologue. Hormonologue! Period! Bon, Marc. HM. Hermès, Crocrobien. Elliot, Emile, pour les connaisseurs. Ah, oh, j'adore cette marque. C'est un truc de ouf, j'adore jouer avec Sullivan parce que Sullivan, j'aurais adoré le connaître quand il était petit. Ah bah c'est merci le... Non mais c'est le plus grand compétiteur. Genre vous avez vu comment il est à fond, analysez bien le jeu, il est à fond. Je suis à fond mais Jules il manipule, à chaque fois qu'on commence à jouer il fait je vais te niquer. J'ai l'impression ça va malade. Il a... regarde pas de toute façon. J'ai peur de vous. Non, Jules c'est toujours moi juste sans critique qui commence à tricher. Putain j'ai pas... Tac. Prénom, Didier. Dana. Delia. Métier, docteur. Dentiste. Dramaturge. Okay. Non mais juste, je vais donner un cours. Danemark. Danemark. Bah ouais. Regardez comme il est compétitif. Mais non, du tout, ça le seum. L'influenceur. Tu triches. Non, je triche pas. Oh la triche, je suis choquée. Je te jure, je triche pas. Tibia. Tête. Tentule. Tentule. Quoi? Tentule. Anna. Anna. Aïe. Ah, ça fait pas trop mal. Ça fait trop mal vers nous. Tu n'as peur. Moi j'ai mis kebabier. Un quoi? Un kebabier, ça kebabier. Bien sûr que oui, ça se dit un kebabier. Quoi? Ça se dit pas. Je te jure que ça se dit. Ça se dit pas. Métier, Kazakhstan. Kebabier du coup. Non, métier. Pays ou ville, Kazakhstan. Kenya. Cambodge. Okay. Mais c'est un non, c'est un Kilimandjaro. C'est un. C'est pas une ville. C'est un... une montagne. Oh. Le plus important, c'est que j'ai son cœur et que j'ai gagné. C'est ça d'avoir l'âme d'un compétiteur. Je t'ai dessiné Maya. Merci. Ouais. Vous aviez des feuilles Diddle? Regardez, j'ai dead le Diddle. Attends, je vais ouvrir ça. Mais après, tu dead là, je suis choquée. Guys! Mais je vais ouvrir ça. C'est pas ça, ça va couler. Mais arrête. Tu connais le vernis? Ça va, c'est pas des couches. T'as mis du vernis quand dans ta vie, toi? Tu connais? Jamais. Anecdote.
On s'est rencontrés, ça fait 6 ans qu'on est amis avec Maya. Parce que son ex-meilleure amie influenceuse la calculait pas. T'étais là, Sully, c'est vous aussi que vous êtes rencontrés. Sully m'a payé un taxi. Ouais. Parce que sinon j'allais rentrer en métro. Jules raconte une histoire, on entend le bruit des chiottes. Ouais. C'est vraiment bizarre. Vrai ou faux, Maya m'a déjà fait perdre un contrat à 8K. C'est vrai. Oh, que t'as eu ton gate et tout, je me rappelle. Ouais, en gros, j'avais signé un contrat sans passer pour mon agence. Sauf que la même marque parlait avec l'agence pour Jules. Ils ont dit, bah Maya le fait gratuitement, pourquoi est-ce que... Et la marque a fait, bah, on parle avec Maya en direct et elle, c'est gratuit, donc, enfin, on va pas payer Jules. Maya a failli se faire virer de l'agence. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai été convoquée dans le bureau, j'étais et pas depuis, bien. Et puis, elle est un fire, c'est la chouchou de l'agence. Ta dette, t'as fait les beaux-arts? Écoute, archi. Celui, c'était pas chaud. On va voir le petit... Chaud, ouais. Le petit scoot-coot. Preuve, preuve à l'appui, sans demander, tu prends la confiance, tu prends l'habitude. Donc, je pensais que c'était sa veste, ça. Hein. Merci. Mon dieu, ça me rend malade. Et Jules, mon mec, arrête pas de dire la veste diesel de Jules. Non mais c'est trop grave, c'est la mienne que j'ai payé avec mon argent que j'ai mérité. Genre. Ensuite Maya, ah, putain, tu rentres chez toi. Putain, ta rate. Jules, nos invités, nos convives. Guys, pause, maintenant on se fait un Get the London look là. Alors moi je porte... Moi je porte un petit pull Balenciaga avec un jogging Gucci. Les looks sont cata. Moi j'aime bien mon look. Hein. Toi par contre, t'as dit que... Désolée, soit t'es fashion icône dans l'esprit, c'est naturel. Ça vient naturellement ce genre de choses. Désolée si je suis lookée de la tête aux pieds tous les jours. C'est tout. C'est quoi, le look est de pire en pire. Mais c'est quoi ce look? Non mais stop, genre, je ressens tellement un pou. La pub là, comme ça. Genre un meuf qui crie dans le bus. Si vous voyez ce moment de la vidéo, vous commentez. Meet Pouxit. On dirait que je rentre de soirée, genre. Mais gars, ils sont des cata. Et puis, puis l'autre qui est tout en kilou, quoi. Non, mais le tabouret, il veut pas le lâcher. Ouais. Ah, ça sent le roast beef. Ouais. Sur la ch... Non, mais... Sur la pizza aux champignons. Sur la ch... Ils sont beaux, tes ongles. Ouais. Merci, Maya, pour ces petits ongles. Elle aura servi à quelque chose tonight. Momo yo. Oh my gosh. Et quoi? Ça m'a tellement manqué. Des fois je me dis je sors, je suis pas toute seule, je suis avec mon scout. Ok, il s'appelle comment du coup? Bah je sais pas. J'hésite entre Vespa Adorable et Chippy Mobile. Chippy Mobile ça sera ta voiture et Vespa Adorable c'est ton... Vespa Adorable. Non mais on dirait le papa qui raccompagne ta fille au scout. Rends bien ma poulette. Si je mets ça je vois jamais. C'est très Lady Gaga. Ma bisous ma Maya. Bisous Moyo, merci d'être venu. J'ai eu. Bisous tout le monde. Première dernière fois que vous l'avez sur la chaîne. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, guys. C'était trop une bonne soirée. Autant d'émotions. Mmh. Ça, c'est sûr. J'en ai passé des choses. Le clash. J'en ai passé des choses ce soir. Le clash, ça m'a mis trop mal. Oh, Vermine, c'est rien. Tu t'es bien calmé, c'est bon. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner pour rater aucune des vidéos. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bitch. Bye. Thank you.